Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. On va continuer le cours aujourd'hui dynamique, mais je vais rappeler ce qu'on a vu sur le calcul sismique. Puis aujourd'hui, on va faire quelques exercices en dynamique de structure. J'ai préparé trois exercices qu'on va résoudre tout à l'heure ensemble. Donc, en ce qui concerne l'étude du sismique, du sisme, parce que c'est un problème très compliqué, on va voir aujourd'hui comment le règlement a simplifié les calculs et il a remplacé le calcul dynamique sismique par un calcul simple statique équivalent, mais moyennant ce qu'on appelle des spectres qu'on a déjà définis, je vais rappeler rapidement. Donc ce qu'on voit ici, c'est comme ce qu'on a appelé avant un oscillateur. Donc un oscillateur, c'est une constante, c'est comme un bâtiment au rez-de-chaussée. Donc il a une fondation ici, voilà, point O. Donc on a une fondation. Puis, on suspend sur l'oscillateur une masse. Donc on a une masse ici. Donc, voilà la masse suspendu sur l'oscillateur. Donc l'action sismique, en fait, ce n'est pas une force appliquée sur l'oscillateur. C'est un déplacement d'appui. Donc on a la fondation de l'oscillateur au point O. Voilà, au point O qui va être soumis à un déplacement VS en bas, dans les deux sens. Minute, s'il vous plaît. Donc c'est le déplacement d'appui qui est. Donc l'oscillateur n'est pas soumis à une force, il n'est pas excité par une force. Mais c'est sa fondation qui va subir un déplacement dans les deux sens. Donc, par exemple, il va être soumis à un déplacement vers la droite, puis vers la gauche. Donc c'est la fondation qui vibre. Et lorsqu'on soumet à la fondation un déplacement qui varie dans le temps, comme ce qui a été représenté dans le schéma à droite, l'oscillateur va osciller, donc il va se déformer. Lorsqu'il se déforme, donc la masse subit un déplacement supplémentaire, donc il y a le déplacement du sisme VS, puis suite à la vibration, la masse va... L'oscillateur va subir une déformation et la masse va subir un deuxième déplacement U. Donc finalement, on aura un déplacement, la masse va avoir un déplacement total V qui est égal au déplacement de la fondation de l'oscillateur VS plus le déplacement U qui est dû à la déformation de l'oscillateur. Ce déplacement U, on l'appelle déplacement relatif. Donc VS, c'est le déplacement imposé par le sisme. Déplacement U, c'est le déplacement qui est dû à la déformation qu'on appelle déplacement relatif. Et le déplacement total de la masse, V est égal à VS plus U. Donc voilà, donc le déplacement total V est égal à U plus VS. On va dériver deux fois ces déplacements, ces vecteurs déplacement. Donc on aura V seconde, c'est-à-dire l'accélération seconde totale de la masse, est égale à l'accélération relative de la masse U seconde, plus l'accélération du sisme VS seconde. Puis, on va écrire les équations du mouvement. Puisque le système vibre, il se déforme, ça veut dire qu'il y a des forces. Du moment que le système a subi une déformation, on a toujours une force de rappel parce qu'il a une raideur. Donc la force de rappel, je l'appelle F1, qui est également KU, qui est toujours en sens opposé du mouvement. Parce que la force de rappel est la tendance de faire revenir la masse à sa position initiale. Et du moment que le système vibre, dès qu'on arrête l'excitation, le système s'arrête. Après un certain moment, le système s'arrête parce qu'il y a un effet d'amortissement. Il y a des forces internes dans le système qui sont propres aux matériaux,
qui vont à la fin arrêter la vibration. Cette force, on l'appelle force d'amortissement, qui est proportionnelle à la vitesse du mouvement et proportionnelle au coefficient d'amortissement. Puis on écrit l'équation du mouvement. Donc, puisque le système est en mouvement, donc c'est un système, donc c'est un mouvement dynamique, donc la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération totale. Ici, on n'a que des forces. On n'a pas, parce que le système n'est pas excité par une force. Le système est excité par un déplacement d'appui. Donc, on n'a que la force de rappel F1 plus la force d'amortissement est égale à la masse fois l'accélération totale fait seconde. On remplace les forces par leur expression, donc moins KU moins CU prime égale la masse fois l'accélération totale. Puis on divise par M et on regroupe tout dans un seul membre, donc on trouvera l'équation suivante. V seconde plus C sur MU prime plus oméga carré U égale 0 avec, je rappelle, oméga carré c'est K sur M. Maintenant, on va donc on trouve l'équation du mouvement, puis on va remplacer V seconde parce que dans l'équation du mouvement, on a V seconde et on sait que V seconde est égal à U seconde plus Vs seconde. Donc on remplace V seconde par son expression et on obtient l'équation suivante en bas. Donc on obtient finalement U seconde plus C U' sur 1 plus oméga carré U égale, normalement, égale à moins M Vs seconde sur M, parce qu'on l'a divisé par M. Ce qu'on trouve ici comme équation, donc déjà, on a éliminé le V et l'équation différentielle devient une équation différentielle par rapport à U, par rapport au déplacement relatif, et non pas le déplacement total. C'est parce que ce qui nous intéresse à la fin, c'est calculer le déplacement relatif. Parce que c'est à partir du déplacement relatif qu'on détermine la force de rappel, puis à partir de la force de rappel, on calcule les efforts, puis on passe au dimensionnement. Voilà comment on procède pour dimensionner une structure soumise à une action sismique. Donc cette équation du mouvement dépend de la force P de T. Parce que P de T égale moins M fois V seconde. V seconde c'est une masse, c'est une accélération de signe. Donc une accélération fois une masse, c'est une force. Donc on peut dire que ici c'est comme si on a un oscillateur soumis à une force P de T quelconque. Parce que malheureusement l'accélération V seconde, c'est une force, c'est une fonction très spéciale, très quelconque. Et on peut dire qu'on est revenu au premier cas qu'on a vu la semaine dernière. C'est comme on a un oscillateur soumis à une force quelconque. Et lorsqu'on a vu ce cas, on a dit que la solution existe, mais il est compliqué. Donc lorsqu'on a un oscillateur soumis à une force quelconque, la solution est donnée par ce qu'on appelle l'intégrale de Duhamel. Donc voilà la solution de l'équation. Donc là, lorsque l'oscillateur est soumis à cette force quelconque, l'expression du déplacement, parce que ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est calculer le déplacement. Donc le déplacement U de T égale à moins 1 sur oméga D, facteur de fois l'intégrale de 0 à T, de Vs seconde tout, facteur de, etc., exponentiellement xi oméga, sinus oméga D facteur. Avec... Ici, on voit qu'on introduit une nouvelle pulsation oméga D qu'on appelle pulsation, pseudo-pulsation, qui est égale à oméga fois racine de 1 moins xi au carré. Donc on a sinus oméga D, facteur de T moins tau. Ça veut dire que ici l'oscillateur va vibrer avec l'oscillation, avec la pulsation oméga D et non pas la pulsation oméga. Mais la pulsation oméga D et oméga sont trop proches, parce que le coefficient xi, en général, est très faible, il est de l'ordre de 0,05, entre 0,05 et 0,03,
Donc, ce qu'on peut dire, c'est que oméga D et oméga sont trop proches pour les matériaux courants, que ce soit la scie ou bien le bêta. Maintenant, comment on va procéder? Parce que malheureusement, on a déterminé l'expression de U, sauf que c'est une intégrale très compliquée. Parce que qu'est-ce qui a en compliqué l'intégrale? C'est pas celui-ci ou bien l'exponentielle, mais c'est le VS seconde, parce que le VS seconde, c'est une fonction très compliquée qu'on ne peut pas intégrer manuellement. Donc on doit passer par une intégration numérique par un logiciel spécialisé comme MATLAB ou bien d'autres logiciels. Et on va voir maintenant comment les règlements ont proposé des solutions pour résoudre cette intégrale et pour déterminer le dépassement. Avant de passer à la résolution de l'intégrale, voilà ce que propose le règlement. Pour simplifier, déjà pour une première simplification, et on va voir la deuxième simplification. Première simplification, au lieu de considérer que l'oscillateur est soumis à un dépassement d'appui, une action dynamique, on suppose qu'on a un oscillateur, donc une structure, soumise à une force. Donc la masse est soumise à une force F égale M à gamma. Donc l'oscillateur est encastré, sort comme une console, puis on applique une force F égale gamma, et l'oscillateur va subir un déplacement U. Donc ici, on n'a que le déplacement relatif. Donc on ignore l'effet sismique parce qu'il est remplacé par l'action d'une force. Parce que réellement, la masse n'est pas soumise à une force, elle est soumise à un déplacement d'appui. Ce déplacement d'appui est remplacé par cette force F qu'on appelle force d'inertie. Cette force est égale à M fois gamma. Donc c'est une masse fois une accélération. Cette accélération, on l'appelle accélération pseudo-accélération. Parce que l'accélération ici, c'est une accélération fictive, elle n'est pas réelle. Et l'accélération, la pseudo-accélération oméga, est égale à oméga carré fois U. Avec U, c'est le déplacement de la masse qu'on cherche, et oméga, c'est la pulsation de l'oscillateur. Donc, si on applique cette force, ce système, c'est équivalent comme si on applique un déplacement d'appui à la fondation. Vont donner le même déplacement U, donc le problème va être résolu. Donc il suffit d'appliquer la force. Et le système devient un calcul de RDM, puis après un dimensionnement en bêta. Sauf que le problème n'est pas encore résolu. On a résolu le problème en une première partie. Parce que la force dépend de gamma et gamma dépend de U. Et le U, c'est l'inconnu, qui est l'intégrale. Maintenant, on va voir comment on détermine U, comment le règlement propose une méthode basée sur ce qu'on appelle le spectre de réponse pour déterminer le U pour calculer le gamma. Est-ce qu'il y a une remarque ou bien une question? Sinon, je continue. Non, monsieur. Continue, d'accord? Continuez. D'accord. Maintenant, on va rappeler ce qu'on appelle un spectre de réponse. Donc voilà, la courbe qu'on voit ici, c'est la courbe de l'accélération de séisme, VS seconde. Vous voyez que c'est une courbe très très compliquée, impossible à manipuler manuellement. Ça veut dire parce que l'accélération est à l'intérieur de l'intégrale. Donc on ne peut pas résoudre l'intégrale par rapport à une fonction très compliquée. Donc, qu'est-ce que propose le règlement? Voilà ce que propose le règlement. En fait, cette intégrale, elle est déjà résolue parce qu'on a les moyens, on a des logiciels. Mais malheureusement, on ne peut pas résoudre l'intégrale chaque fois qu'on a un projet. Impossible. Parce qu'il faut savoir déjà la résoudre parce que
La réunion est faite par des gens spécialisés, des numériciens, qui maîtrisent le calcul intégral par des méthodes numériques, par des logiciels bien appropriés. Donc ça veut dire que cette résolution est faite au moins une fois. Au moins chaque pays doit résoudre cette intégrale pour trouver ce qu'on appelle les spectres de réponse. Donc dans l'intégrale, on a trois paramètres. On a la vitesse, pardon, l'accélération des secondes. Donc on a vu la courbe. Puis on a oméga, puis xi. Ça veut dire que la solution U pour chaque oscillateur dépend de sa propre pulsation oméga, dépend du matériau pour ce xi, c'est un coefficient, ce qu'on appelle l'amortissement, coefficient d'amortissement critique. Lui aussi, elle dépend uniquement du matériau. Donc si je précise le vecteur armé, c'est entre 4 et 5%. C'est déjà connu. Voilà ce qu'on a fait. On a fait une résolution paramétrique. On a fait varier le oméga, donc on a pris plusieurs valeurs, oméga égale à 1, 2, 4, 5, 10, 20, etc. Puis on a varié aussi le xi, suivant le matériau, et suivant un pays donné, on connaît l'accélération. Puis on a résolu l'intégrale plusieurs fois, en fonction de oméga. Et lorsqu'on a résolu l'intégrale plusieurs fois, on a trouvé plusieurs courbes. Et chaque courbe, c'est une courbe de déplacement. Nous, à la fin, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le déplacement maxi. Parce que si on connaît le déplacement maxi, on va déterminer la pseudo-accélération maxi, puis on calcule la force, puis le calcul devient un calcul statique simple, R'd'un, plus après dimensionnement. Donc voilà par exemple une première solution. Ça veut dire que cette courbe, c'est la courbe de déplacement U en fonction de temps avec, par exemple, oméga égale à 1, c'est un oscillateur un peu souple. Puis on suppose qu'il n'y a pas d'amortissement, xi égale à 0. Donc lorsqu'on trace cette intégrale, qu'est-ce qu'on tire? On tire que pour oméga égale à 1, on peut calculer le déplacement maxi. Donc cette courbe va nous donner le déplacement maxi qu'on peut lire. Ça veut dire que pour la pulsation oméga égale à 1, je connais le déplacement maxi, donc je peux calculer la force de rappel maxi que je peux dimensionner. On fait la même chose pour une deuxième pulsation. Donc la même chose, oméga égale à 2, un oscillateur plus rigide que le premier. Donc on voit qu'il y a plus d'oscillation. Et là aussi, pour oméga égale à 2, donc on voit que dans le schéma, on a un deuxième déplacement maxi dans la courbe. Donc on aura le déplacement maxi pour oméga égale à 2, etc. On fait la même chose. Oméga égale à 10, donc on a un oscillateur très rigide. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs pulsations, parce que lorsqu'on a un oscillateur très rigide, on a une grande fréquence, grande pulsation et petite période. Là aussi, pour cet oscillateur rigide, pour oméga égale à 10, donc on a à droite, on a le déplacement maxi. Ça veut dire qu'on sait calculer le déplacement maxi à partir de cette courbe. Voilà, donc on continue. Donc ici, pour les cas qu'on vient de traiter, on a supposé que xi égale à 0. On peut faire le même calcul. Maintenant, ça c'est pour, par exemple, une valeur de xi différente de 0. Donc par exemple, pour xi égale à 10 et oméga égale à 1. Donc là aussi, on aura une nouvelle valeur de déplacement maxi pour oméga égale à 1, pour xi égale à 10, etc. Donc, suite à ce qu'on vient de faire, on va tracer plusieurs courbes. Parce qu'on a, pour différentes valeurs oméga, on a différentes valeurs de déplacement maxi. Et pour différentes valeurs de xi, les valeurs qu'on a vues au début, c'est pour xi égale à 0. C'est la courbe de bas. Puis,
En faisant varier xi, donc par exemple xi égale à 0%, xi égale à 5%, xi égale à 10%, etc. Pardon, pour xi égale à 0, c'est la courbe du haut. Puis on descend en augmentant xi. Xi égale à 1%, xi égale à 2%, xi égale à 5%. Mais finalement, par exemple pour le bêta armé, la seule courbe qui nous intéresse correspond à xi égale à 1%. Mais ici, dans l'abscisse, dans l'ordonnée, on a le déplacement, parce qu'on a calculé le déplacement, maxi. Dans l'abscisse, on peut avoir soit les périodes, soit les oméga, parce que on a fait varier oméga. Puisqu'on sait que t égale à 2π sur oméga, donc on peut prendre en abscisse t la période à la place de oméga. Donc cette courbe correspond au déplacement maxi de différents oscillateurs qui ont les périodes t en abscisse et qu'on a en ordonnée le déplacement en fonction de xi. Ces courbes, on les appelle spectres de déplacement. Maintenant, c'est le problème devient très simple, parce que j'ai un oscillateur, j'ai calculé le oméga comme ce qu'on a vu dans le cours, je choisis le xi parce que ça dépend de ma théorie, parce que xi égale à 0, je connais les oméga, donc je peux déterminer le déplacement maxi. Et quand je détermine le déplacement maxi, je peux calculer la pseudo-accélération maxi, puis la force, et le calcul devient simplifié, devient un calcul statique simple. Mais on peut définir aussi d'autres spectres. Donc ça, c'est le spectre de déplacement. Ce n'est pas le spectre le plus utilisé dans les règlements. Les spectres les plus utilisés dans les règlements, en général, c'est le spectre d'accélération. Parce que connaissant le déplacement maxi, tout à l'heure, on a dit que gamma, la pseudo-accélération, gamma égale à oméga carré fois u. Donc oméga maxi est égal à gamma maxi, l'accélération, la pseudo-accélération maxi, gamma maxi, est égal à oméga carré fois i maxi. Donc je remplace ce spectre de déplacement par un spectre d'accélération. Donc voilà ce qu'on appelle le spectre d'accélération. Donc gamma maxi égale à oméga fois i maxi. Donc là, le calcul, donc ici, j'élimine une étape de calcul. Donc en fonction de la période, parce que je connais, je peux calculer la pulsation et la période de l'oscillateur. Je choisis la courbe, par exemple sigma égale xi égale 5%, puis je détermine directement l'accélération gamma maxi. Donc une fois que je calcule gamma maxi, donc je peux calculer la force, parce que la force maxi est égale à m fois gamma maxi, et je fais un calcul statique. Donc j'ai simplifié mon calcul. Et en général, dans la plupart des règlements, on peut définir trois spectres. Donc, le spectre, par exemple, de gauche, spectre de gauche, le haut gauche, c'est le premier spectre qu'on construit de dépassement. Par exemple, le spectre de droite, c'est le spectre d'accélération, ce qu'on utilise couramment. Puis le spectre en bas, c'est le spectre de vitesse. Parce qu'on a une relation entre l'accélération et la vitesse et l'accélération du dépassement. Et en général, la plupart des pays, comme par exemple la France et l'Europe, utilisent le spectre d'accélération, c'est-à-dire le spectre de droite. Au Maroc, avant, dans l'ancien règlement, nous aussi, on utilisait le spectre d'accélération, le spectre de droite. Mais après, on a changé le règlement et on a commencé à utiliser le spectre de vitesse. C'est ce qu'on a comme en bas. C'est le spectre en bas. Une remarque ou bien une question? Continue. Oui, monsieur. Oui, je continue. Oui. D'accord. Donc, on monsieur, a... Oui. Monsieur, pour quelle raison on a changé de spectre ici au Maroc? Malheureusement, je ne sais pas, ce sont les gens
Parce que l'équipe, donc la commission qui a établi le RP, le règlement marocain, le nouveau règlement RP 2011, ils se sont basés sur le règlement canadien, le règlement parasismique canadien, et l'ancien règlement parasismique canadien, il s'est basé lui aussi sur la vitesse. Donc les Marocains, ils ont plus ou moins... ils se sont inspirés sur le règlement canadien, c'est pourquoi ils ont proposé à la vitesse, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas une bonne solution. Ils auraient dû laisser le spectre d'accélération. C'est plus parlant, c'est plus pratique, c'est ce qu'utilisent la plupart des pays dans leur règlement. Mais nous, on a notre règlement, donc on doit le respecter, on n'a pas le choix. Merci. Maintenant, le spectre va être modifié par la nature du sol. Donc, le spectre qu'on a vu, il ne dépend que de la pulsation de l'oscillateur et de XI, du matériau. Mais en réalité, il y a un autre paramètre qui va modifier le type du spectre. Donc, on va définir encore des spectres qui vont être propres à la nature du sol. Pourquoi? Ici, c'est un schéma réel suite à un séisme qui s'est produit aux États-Unis, dans la ville de San Francisco, parce que là-bas, ils ont une faille qui s'appelle Saint-Andreas. C'est une faille qui est tout le temps en activité, elle est active. Et de temps en temps, ils donnent des séismes soit modérés, parfois relativement violents. Pas très violents, mais relativement violents. Ici, dans un quartier là-bas à San Francisco, on a fait une coupe géologique, c'est ce que vous voyez en bas. Donc on voit les natures du sol. Donc par exemple, si je commence à partir de la gauche, donc le premier sol, c'est un sol... dur, le rocher. Par exemple, ici, c'est le rocher. Puis, en allant vers la droite, c'est un sol meuble, puis ensuite le rocher, puis etc. Donc, dans le même quartier, on a différents types de sol. Sol meuble, sol très meuble, et sol dur, sol rocher. Maintenant, dans le même quartier, on a plusieurs immeubles. En général, les immeubles, souvent, la plupart des immeubles dans le monde, c'est R plus 4 plus 5. Ce sont les immeubles les plus utilisés. Donc, ils ont à peu près le même nombre de niveaux. Et plus ou moins, ils vont avoir à peu près la même pulsation et la même période. Pour calculer la période, on a vu comment on le calcule en fonction de la raideur et de la masse. Mais les règlements parfois proposent des formules simplifiées pour calculer la période. Par exemple, dans le règlement marocain, RPS 2000, l'ancien règlement marocain, ils avaient proposé une formule pour calculer la période. Une formule très simple pour estimer la période avant de faire le calcul exact de la période. La période T est égale tout simplement T égale à 0,1 fois le nombre de niveaux. Tout simplement. Par exemple, si j'ai un bâtiment R plus 4, ça veut dire que le bâtiment est composé de 4 étages plus le rez-de-chaussée, ça veut dire 5 niveaux. Donc la période, c'est T égale à 0,1 fois 5. Donc c'est 0,5 secondes. Si j'avais un bâtiment qui fait 10 niveaux, R plus 9, la période, c'est 0,1 fois 10. Donc c'est 1 seconde. C'est très simple. C'est une formule très approchée qui donne des valeurs très proches de la réalité. Voilà, T égale à 0,1 fois grand N, avec grand N, c'est le nombre de niveaux qui constitue le bâtiment. Donc, par exemple, si j'ai un bâtiment, un peu de calme, d'habitude, il y a beaucoup d'activité. شحيت لابارتي الاولى كنتي درتيها السيمانه اللي فاتت غير تبعنا معاك عاودتيها وصافي انا مساكم شي واحد
4 ou 5 là, خدامين معايا ديما. Les filles, les gars. On est présent, monsieur. Oui, monsieur. Tout à l'heure, vous allez travailler avec les exercices. Alors, j'ai préparé. Inch'Allah, monsieur. Merci, monsieur. Donc, voilà. Vous avez noté la formule de la période. Donc, T égale 0,1 fois le nombre de. Oui, monsieur. Vous pouvez approcher. Deux. Et de le micro d'ailleurs comme là. Et comme par hasard, par exemple, j'ai dit que le nombre de bâtiments là-bas, c'est R plus 4. Ça veut dire que la période, c'est. Donc si je fais le calcul, T égale à 0,1 fois 5. Donc, T égale à 0,5 secondes. D'abord, on va. Interpréter ce qu'on a dans le spectre. Parce que, on a reconstruit les spectres pour chaque sol. Et vous voyez que les spectres sont différents. Donc, pour le sol dur, on a un pic. Puis après, par exemple, pour le sol dur, donc pour ce premier mois, donc vous voyez, on a un pic très haut. Puis juste après, il y a une chute dans le spectre. Maintenant, pour la période 0,5 secondes qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'on a dit qu'on a un bâtiment de 5 niveaux. Donc, suivant le spectre, le premier spectre de gauche, donc pour l'abscisse 0,5, il lui correspond une accélération légèrement inférieure à 0,1. Donc, c'est à peu près 0,08 secondes. Est-ce que vous suivez? Première courbe. Oui, monsieur. Voilà. Donc l'accélération, c'est 0,0 inférieur à 0,1. Maintenant, pour la deuxième courbe, un sol meuble, comme le tuf, par exemple. Quelle est la valeur de l'accélération? Donc pour la même période, 0,5. 0,15, monsieur. Voilà, exactement. Vous voyez que l'accélération a été majorée à peu près de 50%. Donc avant, c'était presque 0,1, maintenant 0,15. Ça veut dire que pour le premier bâtiment, il a subi une force. Parce que la force, c'est 1 fois gamma. Et le deuxième, il va être soumis à une force 50 fois plus grand. Ça veut dire, en résumé, ça veut dire que la nature de sol peut amplifier la force sismique. Donc si on en a le rocher dur, on n'a pas d'amplification. On aura une certaine force. Si on a un sol moins bon, plus médiocre, là, il y aura une amplification de la force et c'est pas bon. Autrement dit, ça veut dire qu'il faut revoir les spectres qu'on a vus tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut établir pour chaque type de sol un spectre. Dans l'ancien règlement, on avait construit trois spectres qui correspondent en moyenne à trois types de sols. Donc ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on avait dans l'ancien règlement RPS 2000. C'est à peu près exactement ce qu'on voit ici. Donc on voit trois types de sols. Donc la courbe en bas, elle correspond au sol dur. Donc vous voyez que pour la période 0,5, l'accélération est plus petite. La deuxième courbe intermédiaire, c'est un sol moyennement dur. Il n'est pas très meuble, mais il n'est pas dur. Donc, il est un peu aplati, il donne des accélérations plus grandes. Par contre, le troisième type de sol, c'est le sol meuble, c'est la courbe en haut. Par exemple, il correspond au sable ou aux argiles. Donc, l'accélération, malheureusement, va être plus grande. Donc, autrement dit, théoriquement, avant de faire le calcul, il faut savoir la nature du sol. C'est obligatoire. Parce que lorsqu'on veut dimensionner un bâtiment, donc l'ingénieur structure s'occupe surtout du dimensionnement de la partie structure. Depuis les fondations, c'est-à-dire les fondations, les poteaux, les poutres, les dalles, etc.
Mais c'est le laboratoire géotechnique, l'ingénieur du laboratoire géotechnique, c'est lui qui va établir un rapport de sol, et dans le rapport de sol, on va trouver les éléments suivants. On va trouver la portance du sol, la résistance de sol, sigma S. Est-ce que c'est 2 bars, ou bien 3 bars, ou bien 5 bars? Il va définir le niveau du bon sol. Est-ce que le bon sol est... Et on le trouve à 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, etc. Il va donner aussi, il va dire, est-ce que le sol est liquéfiable? On va le voir tout à l'heure. Je pense qu'on l'a déjà défini la dernière fois ou non. On va le rappeler tout à l'heure. Puis, il va donner un autre coefficient qu'on appelle coefficient de site. Et suivant le nature de sol, normalement, théoriquement, on doit choisir quelle courbe de spectre. Si on a le rocher, on va choisir la courbe du bas. Si on a un sol très meuble, on va choisir la courbe du haut. Est-ce qu'il y a une remarque? Est-ce qu'on va passer maintenant aux exercices? Oui, monsieur. C'est bon, donc... j'ai sélectionné trois exercices qu'on va traiter aujourd'hui. Une minute, s'il vous plaît. Donc voilà, j'ai choisi trois exercices, deux exercices relativement simples. Donc voilà le premier exercice, cas de l'oscillateur en résonance. Donc j'ai donné la masse, M égale 10 000 kg. J'ai donné la raideur, K égale à 90 000 newtons par mètre. Coefficient d'amortissement C égale 3 000. Et je suppose que l'oscillateur est soumis à une charge, à une force harmonique. Donc il est excité par une force harmonique. P de T égale à 1000 newton fois sinus 3T. Donc il faut calculer. Donc les premiers éléments sont déjà calculés. Donc on demande de calculer le coefficient bêta et le coefficient lambda. D'abord, il faut calculer la pulsation oméga de l'oscillateur, éventuellement la période, la fréquence, puis la suite des autres, puis le dépassement élastique, éventuellement, et le dépassement dynamique amplifié par l'angle. Donc, vous allez noter d'abord les données, puis vous allez commencer la solution qu'on va traiter ensemble.
Monsieur, alpha combien? Combien? Quoi? Alpha? Alpha, alpha. Voilà. Comment vous rappelez de, est-ce que vous avez le cours devant vous? Donc oui, on monsieur. A donc on a écrit que P de T égale P0 fois sinus alpha T. C'est ça? Dans le cours. Oui. Donc, alpha égale 3. Ah d'accord. Alpha égale à 3. D'accord. Donc alpha égale à 3. Vous avez trouvé Oméga? Oui, monsieur. À quoi est égal Oméga? 3 secondes. Combien? 3 secondes. Vous refaites le calcul? Il n'y a pas d'erreur. D'autres valeurs de Oméga? À quoi est égale l'expression de Oméga? Oméga égale racine de... Racine de 4 sur M. 4 sur racine de 4 M. Sur M. Racine de 4 sur M. Donc sur ça donne combien sur temps. Kilonewton par mètre sur temps. Racine. Oui, kilonewton par mètre sur temps.
Voilà, donc soit sont les en kilogrammes et en newton, soit convertis en tonnes et en kilonewton. Ça donne la même chose. Oméga, c'est 9,48, monsieur. Hein? 9,48. Oméga. Et notre valeur de oméga 3 secondes. Elle 3. 3 radians. 3 radians. 3. 3 radians par seconde. Oui. Qu'est-ce que donc, soit on laisse ces unités, parce que je rappelle les unités. Si on peut laisser la masse en grammes, la raideur, ou bien on peut convertir. La masse en tonnes, ça devient 10 tonnes. Et la raideur, ça devient 90 kilonewtons par mètre. Et ça donne la même valeur, oméga égale à 3. Donc oméga égale à 3. Alpha égale à 3. Donc à quoi est égal bêta? 1. Voilà, bêta égale à alpha sur oméga égale à 1. Ça veut dire que lorsqu'on a un petit problème. Ce qu'on a dit dans le cours, donc on a un problème de résonance. C'est-à-dire que les dépassements vont être très amplifiés. C'est ce qu'on va voir après. Il faut calculer d'abord le coefficient xi. Est-ce que vous avez la formule du coefficient xi? Oui. Donc il faut calculer xi. C'est C sur 2m. Voilà, exactement. C sur 2m, tout à fait. Non, C sur 2m oméga. Oméga, C sur 2m oméga. Monsieur, 0,05. C'est ça, c'est juste. Donc il faut calculer maintenant le coefficient lambda. Monsieur, c'est 100. Une petite erreur. Petite erreur. C'est 10. Exactement, 10. Donc voilà les valeurs. Donc oméga égale à 3. Oméga D, on peut calculer oméga D qu'on a défini tout à l'heure. Vous rappelez, oméga D égale à oméga racine de 1 moins xi au carré. Puis on calcule lambda. Lambda, c'est 10. Je vous donne 2 minutes pour noter ces résultats et on va faire une interprétation des résultats. C'est l'objectif de l'exercice. Monsieur, bêta combien? Monsieur, oui. Bêta
combien bêta? Bêta égale à 1, parce que bêta égale à alpha sur oméga. Alpha égale à 3, oméga égale à 3, donc bêta égale à 1. D'accord. بيتا مشو كتساوي شنو؟ بيتا لقينا ان ياك ان لا 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 فورميلا فورميلا مش بيتا ايجالا الفا اوميجا الفا ديزي با اوميجا ولا مغتي اسمه مسيو كسي كسي ايجالا سي سور دو ام فوا اوميجا C divisé par 2m fois oméga. C'est bon, on continue? Pas encore, monsieur. Monsieur? Oui. Vous pouvez répéter pourquoi on prend alpha égale à 3? Oui. Monsieur, pourquoi on prend alpha égale à 3? J'ai la formule de P de T. P de T, qu'il est 9, le cours P de T égale à 13. 3T. Alpha T. Voilà, alpha T, exactement. Sinus alpha T. 3T. Merci, monsieur. Donc, c'est bon? Continue? Oui, monsieur. Monsieur. Oui, monsieur, oui. On va interpréter ce résultat quand même, parce qu'on a dit qu'il y a résonance. Et lorsqu'on a résonance, on a problème. Normalement, s'il n'y avait pas un effet dynamique, on aurait dû appliquer une force statique P égale à 1000. Au lieu de P de T égale à 1000 sinus 3T, P égale à 1000. Si la force était statique, P égale à 1000 newtons. On a calculé K, donc je peux déterminer le déplacement. On sait que la force est égale à la raideur fois le déplacement. Donc je peux écrire que P0 égale à K fois un déplacement U statique. Donc je peux calculer ce déplacement. Donc le déplacement U va être égal à P0 sur K. Donc vous allez écrire déplacement statique U égale à P0 sur K. Ça veut dire que c'est 1000 divisé par la raideur qui est égale à 90 000. Si vous pouvez répéter, parce que je me dis. Donc voilà. Donc là, c'est une force dynamique qui varie dans le temps. Si on avait appliqué qu'une force statique, ça va être P0, parce qu'il n'y aura pas de sinus. Donc la force statique, P égale à P0 égale à 1000 newtons. Cette force va donner un déplacement. Donc on aura P0 égale à K fois U. Donc avec U, c'est un déplacement statique. Correspond à une force constante P0. Donc on calcule U égale à P0 divisé par K. Donc U égale à... C'est 0,011. Voilà, 0,011 mètres. Mètres. Ça veut dire en centimètres, c'est combien? Un centime. C'est 1,1 cm. Voilà, 1,1 cm. Maintenant,
du fait qu'on a une force dynamique, le déplacement va être amplifié par lambda. Parce qu'on l'a vu dans le cours dans une formule. Ça veut dire que vous allez écrire que le déplacement dynamique, U indice T, par exemple, est égal à U, là est égal à lambda fois U. Donc, c'est-à-dire est égal à 10 fois 1,1. Donc, est égal à 1 cm. Autrement dit, à cause des problèmes de résonance, le déplacement a été amplifié 10 fois. Il a été multiplié par 10. Ça veut dire que c'est pas bon. Ça veut dire que la solution ici, il faut c'est modifier la... Monsieur. Comment? C'est donc UT dynamique, ça va donner 11,1. Voilà, ça va donner 11,1 cm. Ça veut dire que le déplacement dynamique a été multiplié par 10, a été amplifié par 10. C'est pas bon. Oui. Et ça à cause de la résonance, parce que alpha égale oméga. Ce qui est recommandé, c'est d'augmenter légèrement oméga. Ça veut dire qu'il faut agir sur la structure pour augmenter sa raideur. Donc on augmente la raideur, et lorsqu'on augmente la raideur, on augmente oméga. Et lorsqu'on augmente oméga, donc bêta va être différent de 0, et le coefficient lambda va être diminué. Et on aura un bon comportement, il n'y aura pas de... Parce que ça c'est parce qu'on a appliqué une petite force. Si jamais on appliquait une grande force, avec un dépassement multiplié par 10, il peut devenir très grand et peut donner la ruine. Maintenant, on va passer à un deuxième exercice similaire. C'est le même. Monsieur. Oui. Oui. Vous pouvez répéter avec le déplacement dynamique, la formule d'ELO. Je rappelle les deux déplacements. Donc le déplacement statique, c'est P0 sur K. Donc oui. U égale P0 sur K. Le déplacement dynamique, U est indice T égale à lambda fois U. C'est-à-dire lambda fois le déplacement statique qu'on a déjà calculé. Merci, monsieur. On passe à un deuxième exercice à peu près similaire, légèrement différent. Donc, juste pour vous entraîner sur l'utilisation de ces formules, donc la masse, c'est 10 000, la raideur, c'est 90 000, c'est similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que ici, on modifie, donc on suppose que l'oscillateur est non amorti, c'est égal à 0. Et on a changé la valeur de alpha. Voilà. Donc, vous allez refaire les mêmes calculs qu'on a fait pour le premier exercice. Monsieur, s'il vous plaît. Oui.
Monsieur, pour alpha, c'est aussi égal à 3. Là, je n'ai à quoi c'est égal à P2 de tête, là. P2 de tête. Comme ça. 5, 5. Ah oui. 5, 5. C'est égal à 5. 5. Voilà, 5. Alpha égal à 5. Exactement. Merci, monsieur, merci. Monsieur, lambda est égal à 0,56. Deux minutes, sinon le problème, je vais le prendre et on va vérifier. Monsieur. Oui. Monsieur, si vous... j'ai trouvé que lambda est égal à 0,56. Vous avez trouvé. Oui, monsieur. J'ai trouvé la même valeur. Donc on va vérifier vos valeurs. Oui, merci. Donc oméga, oméga c'est 3. Bêta, vous avez trouvé combien pour bêta? 1,67. 1,66. Donc, vous voyez que cet oscillateur, il est bon. Vous voyez qu'on a augmenté ici, c'est l'inverse, alpha qui est plus grand que oméga. Mais, même, vous voyez que ici, on a fait l'inverse. On a réduit la raideur. Donc l'alpha est plus grand que oméga. C'est comme si on a réduit la raideur. Du moment que alpha est différent de bêta, de oméga, c'est très bien. Donc on n'a pas de problème de résonance. Donc on a trouvé lambda égale à une petite valeur. Ça veut dire que le dépassement dynamique n'est pas amplifié. Donc, ça veut dire que c'est une bonne solution. Ça veut dire qu'il faut agir sur la structure pour que alpha soit différent de oméga. Comme ça, on n'aura pas d'amplification de déplacement qui risque de donner la ruine. Donc, 3 minutes pour noter les résultats. Et on va passer à un troisième exercice. Monsieur, tu peux t'enlever avec l'écran? Oui. Je peux t'enlever l'écran, je suis chouette. Ah, j'ai mal. Donc, il y a un xi égale à 0, s'il te plaît, l'écran. Xi égale à 0, ouais, tête, c'est pas important. Ah, c'est bon, allez, que clair. داك النهار ما قالوا لنا ما بغا ياكلوهم On continue? C'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. D'accord. Oui, monsieur. Donc, si je vous donnais les données d'un exercice,
qu'on va expliquer. Peut-être on commence et on le termine la prochaine fois. Donc vous allez d'abord lire les lancers. Les water towers. C'est quoi un water tower? Les réservoirs de la monsieur. Exactement. Les châteaux d'eau, monsieur. Les châteaux d'eau, exactement. Les châteaux d'eau, réservoir d'eau. Monsieur, les réservoirs qui sont en général enterrés, c'est des. Ouais, les châteaux d'eau qui sont superficiels. Donc, à un château d'eau, donc W, il y a la masse de l'eau, égale à 100 kips, donc les unités, là, c'est anglophone. Donc, la masse, c'est 100 kips. La raideur, c'est 3000 kips par feet. Mais le problème, c'est que le château d'eau est construit près d'un chemin de fer. Et il y a les trains qui passent. Donc, lorsque le train passe, voilà, il donne une petite vibration. On a dit que la vibration est assimilée comme une force harmonique qui est une accélération à peu près égale à 0,1 fois G. Donc on a donné aussi le coefficient d'amortissement, xi égale à 10%. Et donc le premier travail à faire, c'est de faire la conversion des unités. Parce oui. qu'on a la masse en kips et la raideur en kips par. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, on va convertir K égale à 3000 kips. Par feet. Par feet. Voilà. Donc, on il faut convertir. Donc, le K, il faut la convertir en kilogramme ou en décanéton, on va voir. Au feet, c'est une unité de longueur. Ok, donc, merci. Unité de force, n'est pas unité de longueur. Ok, merci monsieur. Donc kilonewton par mètre, c'est comme ça. Voilà, par exemple. Oh. Merci monsieur.
Monsieur? Oui. Monsieur, j'ai trouvé que K est égal à 446,15 kN par mètre. On va attendre un deuxième résultat. Ok, merci, monsieur. Puis il faut convertir aussi la masse. La masse est égale à 100 à la puissance 40. Alpha. Monsieur, la masse 45 tonnes. La masse c'est 45 tonnes. 45 tonnes virgule. Ah, virgule 355. Ah. Sinon, en kilogramme, on va multiplier par 400, pas celle-là. La masse, 45 359,237 kilogrammes. Oui. Ça devait être convertir ça. En kilogramme, on l'a en tonne. Pour la convertir, il faut multiplier fois 100 et diviser sur 0,305. Donc il faut convertir bada le casse. Donc K, c'est... Je vais dire le kilogramme. Mais le kip, c'est... 453,598 de GHz. Voilà, on va diviser ça n'est par... Mais le fit le mètre. 0,305. Donc, je vais la tasse comme monsieur... Moi, j'ai calculé avec le kilo, on y entend par mètre. لا ديروا تقدروا تحسبوا في الكيلوغرام ودوزوا على النيوتن حيت 1 كيلوغرام ابري ايغال 10 نيوتن اوكي ميرسي بالكيلوغرام عطاتنا شي 983606 فاصله 0.6 حتى الفيت ديجا كونفيرتي حيت قسمت على ديك 0.305 Donc, pour avoir Newton, on multiplie par 10. Donc, ça fait Newton. Donc, je vais vous dire. Voilà, nous avons la masse kilogramme ou la raideur en Newton par mètre. Donc, je vais vous dire. Kilogramme par mètre. Là, là, c'est le cas, tu l'es en Newton, l'abd. Donc, on multiplie fois 10. Multiplie fois 10, exactement. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, j'ai trouvé 14 880 quelque chose comme ça. Pour quart? Ah oui. Kilogramme, newton par mètre. Nous chauffons les autres valeurs. J'ai tenu chouette que 14 millions. Nous chauffons les autres valeurs. Monsieur, j'ai tenu 4 millions. C'est 4 millions. Ah, 4 � 4 � 4 � 4 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
صافي دابا دونك نتسنى ان اوتر فالور بي اون شي كناخذو ديك 3 مليار كنضربوها في ديك 453 فاصله كنقسموها على 0.305 وكنضربوها في 10 اكزاكتومون شي راه سي بي عطاتني شحال 44 مليون 44 مليون مليون aussi 615 دونك تقدر تحسبوا لا دابا لا اوميغا او موان نحسبوا اوميغا مسيو كتعطينا نيوتن ياك نيوتن بار متر نيوتن بار متر غتعطي نيوتن بار متر واش ضربنا في 10 ولا نيوتن بار متر Monsieur 9,91. On doit chauffer les autres, je sais pas, Omega. Monsieur, Omega, c'est le pot là. La Omega, la pulsation. Il y a racine de K sur M. Le balcon à K ou M. Racine de K sur M. 9,92. M, c'est 160 K. M, il y a 400, je sais pas. Quand tu devais K ou M. Donc on a ce mot d'abord en méga. Monsieur 9,92. Donc le cas de deux valeurs, les mêmes valeurs, je pense que c'est bon. Oui monsieur, la même valeur. La même valeur. Donc 4 la suite. Donc crochet F la suite et on va le faire la prochaine fois, Inch'Allah. Donc on a comme de belles données. Donc on suppose, donc on a comme xi, xi égale à 10%. Et on suppose que l'action du passage de train, c'est comme on excite la masse par une force harmonique. Les caractéristiques de la force harmonique, il y a une accélération 0,1 fois g, ou une fréquence 10, une fréquence de 10, donc. Donc vous allez réfléchir comment, à partir de ça, il faut établir la force harmonique. Mais une fois qu'on établit la force harmonique, donc on passe au calcul de bêta, lambda, etc. La suite du calcul. Monsieur, une question, je n'ai pas de cours. Je crois. Ok monsieur. Regardez, je vais vérifier. Ok monsieur, ça marche. Monsieur, c'est l'heure je pense. D'accord, c'est l'heure. Donc, à tout à l'heure, dans une demi-heure, Inch'Allah. Oui monsieur. Donc, à tout à l'heure. Prenez votre café à l'aise et on se voit tout à l'heure. Merci à vous aussi. Merci monsieur. Ayou. هذيك البوا واش هذيك 100 بويسونس كا ولا شنو هذيك لا هذيك انيتي كيبس هاك